Bonjour, je m'appelle Alexis Penchev. Les conditions sanitaires ne nous permettant pas de venir pour notre 7e BRAFA à Bruxelles, nous avons décidé de vous recevoir chez nous, dans nos locaux à Marseille. Pour nous présenter, la galerie est spécialisée dans les artistes français de la fin du 19e et du début du 20e siècle, tout particulièrement ceux qui sont venus travailler dans le sud de la France en cette période. Nous avons également deux activités annexes, une librairie d'art qui s'appelle le Puy au Livre, dans laquelle nous sommes installés maintenant pour nous présenter, et une activité d'encadrement ancien et moderne. Nous avons décidé de vous parler un peu plus longuement de notre coup de cœur cette année, qui est un tableau de Pierre Bonnard qui s'intitule « Femme à sa toilette », qui a participé à plusieurs expositions muséales en Australie, en Italie, et dernièrement au musée du Canet qui est consacré à l'artiste. Mais c'est un tableau qui est inconnu sur le marché de l'art. Ce tableau de Pierre Bonnard est antérieur au grand bouleversement de sa palette que lui suggère le sud de la France. Et ce nu est assez caractéristique de l'inspiration de l'artiste dans ses années de création qu'on peut qualifier de post-Nabi, où on sent une très grande influence de Degas dans le thème qui est traité, notamment ce thème de la femme à sa toilette ou de la femme au bain. Et les deux artistes recherchent vraiment une intimité, l'intimité d'une chambre et d'un corps féminin, avec ces couleurs qui ne sont pas éclatantes mais qui sont plutôt assourdies et qui sont les couleurs d'un intérieur privé, un peu secret, et qui ne sont pas du tout des couleurs de grand jour.